Nouvelle journée ici sur Bruges et regardez-moi ça, il y a du soleil, c'est complètement fou. On va vite en profiter. Là, je finis juste mon petit déjeuner, enfin je commence et je finis en même temps mon petit déjeuner. Et dès que c'est good, je pars me balader dehors et profiter du soleil évidemment pour découvrir encore un peu plus cette ville de Bruges. Avec ce temps incroyable. Bon, il fait pas très chaud, hein. Il fait 5 degrés, mais regardez-moi ça, un beau soleil. C'est très agréable par rapport au jour de pluie qu'on a eu précédemment, évidemment. Donc, on va partir se balader un petit peu comme d'habitude dans les rues de Bruges ce matin, avant d'aller faire quelques courses par la suite. Bon, alors ce qui est fun avec ce bâtiment, c'est que vous voyez, c'est une grande église. On ne peut pas rentrer dedans et juste à côté, il y a un vieux bâtiment. Et juste ici au sous-sol, si vous le voyez un peu, si je vous montre avec le doigt, juste là, c'est un bar. Et la nuit, tout simplement, vous pouvez y accéder pour boire votre bière si vous voulez. Ou juste aller boire un coup, partager un repas ou quoi que ce soit. Et ça, c'est fun de voir qu'il y a un bar où on peut boire de la bière juste à côté d'une église et juste en dessous d'un vieux bâtiment très très ancien et très typique, on va dire, de la Belgique. Regardez-moi ça, regardez-moi ce soleil. Alors ça nous éblouit presque, donc je vais juste me mettre comme ça pour bien que l'image soit ok, mais c'est vraiment sympa hein, de se balader dans cette très jolie ville de Bruges avec le soleil, c'est vraiment super agréable, ça fait du bien, on prend ce qu'il faut en vitamine, donc ça c'est cool. Le programme c'est que là je me suis baladé un petit peu, l'idée c'était juste de gambader un petit peu dans la ville. Mais je vais aller faire quelques courses pour pouvoir manger ce midi à l'appartement. Et puis ensuite, après une petite sieste, je pense. Je vais retourner me balader un peu plus longuement dans les rues de Bruges, histoire de voir encore un peu plus cette jolie ville, même si j'en ai déjà fait pas mal, je pense. Et puis je vais peut-être aller courir même dans l'après-midi. Mais là, dans tous les cas, on est sur le chemin du retour, après une bonne petite balade d'une heure sous le soleil. De voir quand même que le monde est majoritairement dans le centre hein, de Bruges, parce que dès qu'on sort un petit peu du centre et dès qu'on commence à s'excentrer justement et à aller dans les petites rues, il n'y a vraiment plus personne, ou alors il n'y a que des locaux à pied ou en vélo, mais c'est vraiment très calme. Un petit jardin, un petit parc super calme, juste en
excentré par rapport au centre-ville, mais juste à côté de là où je loge. C'est vraiment très très sympa. Je prends le temps de me balader, il n'y a vraiment personne. J'ai croisé juste une personne qui était assise en train de prendre le soleil devant chez lui. C'était très très drôle à voir. Mais c'est vraiment agréable de profiter du soleil. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis dans cette vidéo, mais c'est tellement sympa. Surtout quand il n'y a pas grand monde par rapport à dimanche où c'était vraiment blindé de touristes et particulièrement de touristes français. Ça parlait beaucoup français dans les rues. Alors qu'ici en Flandre, comparé à la Wallonie, donc à Bruxelles, tout le monde parle français. Hein. C'est très, un petit peu comme Paris, mais en plus petit, quoi, tout simplement. Alors qu'ici, que ce soit à Anvers, à Gand ou à Bruges, beaucoup de personnes parlent français, mais ils ne veulent pas parler français. Donc c'est toujours compliqué. Ils parlent anglais, voire que néerlandais. Ils veulent pas forcément parler anglais non plus. Donc c'est pas forcément facile pour comprendre. Alors qu'ils parlent français, hein, mais ils veulent juste pas parler français. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de touristes français ici dimanche dans la ville de Bruges. Donc ça fait plaisir aussi d'avoir la ville un petit peu que pour soi, sous le soleil et le beau temps. Je sors du supermarché, ça y est, j'ai fait quelques courses pour ce midi et le reste de mon séjour sur Bruges. Donc là, je suis sur le chemin du retour, toujours sous le soleil, c'est vraiment très très agréable. Je pense que je vais aller courir cet après-midi parce qu'il faut profiter de ce temps avant qu'il ne repleuve dans les prochains jours. Donc là, je suis en chemin vers l'appartement, je vais me faire à manger, je vais dormir un petit peu, faire une petite sieste. Et puis, let's go pour découvrir Bruges un peu différemment en courant. Ça va nous permettre aussi d'aller un peu plus loin qu'en marchant. Bon, par hasard, je tombe sur ça. Une écluse qui est en train de se lever là-bas. Enfin, le pont en tout cas de l'écluse qui est en train de se lever pour que le bateau puisse passer. C'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle de tomber là-dessus au moment où j'arrive ici. Bon, ça y est, j'ai mis les chaussures de running, je me suis habillé et on va aller courir un petit peu, toujours profiter de ce beau soleil aujourd'hui. Pas une goutte de pluie aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Hein. Vraiment, depuis le début de ce trip, j'ai pas eu une journée sans pluie, donc on va en profiter au maximum. Je vais aller courir un petit peu dans un espace vert, juste à l'extrémité de la ville. J'ai repéré ça là en marchant un peu. Je vais essayer d'y aller, c'est plus sympa évidemment que de courir dans la ville, puisque le problème ici dans les villes de Belgique et en particulier à Bruges, c'est que tous les sols sont comme ça, en pavé, et donc c'est très joli quand tu marches et quand tu te balades, mais quand tu veux courir, c'est très casse-gueule et surtout très facile de se faire une entorse au niveau de la cheville. Donc je vais pas prendre le risque, les chevilles assez fragiles comme ça et les genoux aussi. Donc je vais plutôt aller marcher et courir en l'occurrence sur les chemins en terre, dans des espaces verts, parcs, jardins, etc. Donc je vais vous emmener découvrir Bruges un peu d'une manière différente, en courant, tout simplement. Mais avant ça, petite compote, on reprend des forces, puisque je viens juste de me réveiller de ma sieste, donc on reprend des forces et on est parti. Bon, alors là, il y a des lapins juste à côté de là où je vais aller m'échauffer, juste à côté de la route, dans le parc, public. C'est assez drôle. De Bruges par rapport au centre de Bruges et on se retrouve complètement dans la campagne avec un grand canal juste à côté et une grande route très très calme
très sympa avec juste des vélos et des piétons ou des coureurs. C'est vraiment super apaisant. Très très cool. Bon, fin de session running, 4 km au compteur, bonne sensation. Aujourd'hui on est sur du 4,20 de moyenne, donc très très cool, plutôt à l'aise au niveau du cardio. J'ai jamais été dans le rouge et c'était l'objectif d'aujourd'hui, donc c'est cool. Ça fait du bien de courir comme ça, au bord de l'eau, au calme, c'était vraiment super. Maintenant c'est direction la douche. Un petit goûter et puis on va aller se balader de nuit sur Bruges ce soir. Bon, petit changement de programme, je suis en train de travailler là sur l'ordinateur, je suis en train de faire un peu de montage. Et ce soir finalement je vais pas sortir, mais je vais plutôt aller au sauna avec mon hôte, Eli, puisqu'il a un sauna chez lui, donc on va en profiter. Après une session running, c'est parfait en plus pour récupérer. Et puis j'irai me balader demain soir évidemment, et demain dans la journée sur Bruges. Donc ce soir c'est sauna, repas et dodo.